et d'expulser l'enfant avec sa servante. Imaginez-vous, est-ce que cet enfant-là a la culpabilité? C'est lui qui a cherché de venir dans la maison de Sarah. Non, mais elle fut la première. Mais comme notre Dieu est seulement le Père, parce qu'Abraham vraiment avait déjà poussé, parce que ça fait mal. Moi, je n'avais pas jamais imaginé ça. C'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui m'as supplié de le faire. Maintenant, je vais laisser partir mon sang. Mais Dieu a dit non. N'hésitez pas. Laisse ta servante partir avec ton enfant. Je sais que c'est ta descendance et je la rendrai grand. C'est pourquoi ils ont de l'argent. C'est pourquoi ils ont de l'argent. Dieu les a bénis. Parce qu'il fait part aussi de la descendance, le sang d'Abraham. C'est le sang d'Abraham. Dieu les a rendus aussi forts en argent. Mais ce ne sont pas les héritiers. L'héritier, c'est celui qui doit sortir dans les entrailles de Sarah, Isaac. Mais toi qui es Isaac, mais à plusieurs occasions, à cause d'une petite douleur qui te tourmente, quelle est ton attitude? Quelle est ta décision? Quels sont tes raisonnements? Quels sont tes raisonnements? Comment tu maîtrises cette période? Bien-aimé, la période de la souffrance, c'est la période de veiller encore. Parce que c'est la période où tout esprit se lève. Et toutes tes opinions viennent. Si tu ne prêtes pas l'attention, tu vas en enfer. Au sacrifice d'une chose passagère. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Tu vas changer ta vie à la mort. Oh! Notre Dieu ne nous a pas cachés. Il a tout mis à l'ennemi. Il nous a dit, j'ai placé la vie et la mort devant vous. Mais j'espère que vous choisissez la vie afin que vous viviez, afin que vous puissiez vraiment recevoir, être béni et plus en plus. Vivre plus de temps dans le pays où je vous accorde. Ça, Dieu va le dire en Deutéronome. Nous n'allons pas le lire parce que j'avais promis que je ne prends pas du temps. Tu peux le lire à la maison. Et si on fait la lecture, ça va prendre du temps encore. Bien aimé, Dieu parle là. J'ai mis la vie et la mort deux chemins. Et Dieu nous propose de choisir la vie. Bien aimé, la réussite de nos vies, afin de dire que Dieu m'a fait un sujet de rire, dépend de nous, ça dépend plus de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu a mis toutes choses sous notre responsabilité. C'est qui à nous de choisir. Est-ce que nous aimerions ou pas? Mais plus souvent, nous choisissons la mort et nous rejetons la vie. C'est ce qui est mal. C'est ce qui est mal. Depuis les jardins, il y a des gens qui condamnent Adam en disant, mais Adam, il savait pourquoi il a mangé. Et il y a des gens qui disent, mais si Dieu savait que Adam aurait mangé, pourquoi il a placé ça? Mais Dieu, qui amènerait Dieu au tribunal? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne n'a l'audace de l'amener au tribunal. Et il a bien dit, il a placé cela. Mais je vous suggère, choisissez la vie et non la mort. L'homme court vers la mort. Qu'est-ce que veux-tu que Dieu fasse? Toi, tu as choisi. C'est toi qui as choisi. C'est comme aujourd'hui là. Je dis souvent aux plus jeunes, le moment est là, les parents s'efforcent pour que vous puissiez vous former. Allez-y à l'école. Toi, tu vas à l'école, tu es toujours sur WhatsApp, tu es toujours sur Facebook. Au moment où le maître ou le professeur explique, toi, tu es sur WhatsApp. Et à la fin de l'année, ici, là aussi, c'est bien parce qu'ici, on ne paye pas quelque chose. Chez nous, là, tu viens encore au papa. Papa, j'ai le problème là. En quoi? En chimie. Parce que le professeur là ne m'aime pas. Ah! Qui a dit qu'il ne t'aime pas? Parce que toi, tu étais distrait dans le WhatsApp et je ne sais pas quoi, le smartphone ou quoi. Vous savez trop de programmes dans vos téléphones. Vous vous distrayez le moment où vous devez accrocher. Et c'est pareil à l'église. Le moment où les gens vous invitent, venez-y le mardi. Nous avons des partages vraiment qui édifient. C'est là où nous mettons des fondements. Venons-y apprendre. Et là, la personne a le privilège de poser des questions. Ici, vous n'avez pas le privilège de me poser des questions.
Mais le mardi, vous l'avez, les gens ne veulent pas. Les gens ne viennent pas. Et quand tu vois quelqu'un qui vient après toi à l'église, Dieu le bénit, tu vas dire, c'est Dieu choisi. C'est nous qui sommes des anciens de cette église. Mais ils m'ont dit, jamais. C'est tout. Hein? Ancien Christian, on l'a consacré, il prêche. Mais ancien Christian vient après moi. Pourquoi il prêche? Nous qui avons commencé l'église, on ne me laisse jamais passer sur la chair. On ne te laisse jamais passer sur la chair, parce que je te vois toujours bébé. Comment je vais faire passer bébé pour gérer? Non. Je ne peux pas. Au fil et à mesure, nous allons voir qui grandit, qui veut grandir. Nous allons les pousser à grandir. Tout un parent a besoin de voir la maturité de ses enfants. Qui est ce papa qui n'aimera pas voir la maturité de ses enfants? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien aimé, le moment est là. Venons y apprendre. Parce que les choses sont mauvaises. Le temps est tellement difficile que tout le monde court du gauche à droite. Tout le monde parle que de prédélévation. Cependant, vous verrez que les gens, quand ils viennent, nous les prédicateurs, entre guillemets, en Afrique, il y avait seulement le message de prospérité. Tu vas en Europe. Il y a des fois, ceux qui sont encore là, ils pensent que l'Europe ici, là. Et même moi, on me disait ça. En Europe, tu ne vas pas voir là, les sables. Vas-y, le bénin, tout mon homme. Hein? Tu ne vois pas de sable, tout est pavimenté. Ah. Et puis c'est comme ça. Hein? Les gens se limitent seulement pour la prospérité. Si je demanderais pour vous, vous avez la grâce qui est, vous qui êtes des Européens, vous qui êtes nés ici, vous avez la grâce. Mais nous qui êtes venus de là, qui sommes venus, bon, beaucoup de gens, qui sommes, nous sommes venus de là, mes chers, mes frères, je vous dis, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Là, qui ont gêné pour seulement réussir un visa pour venir ici. Mais quand il arrive ici, c'est fini. Il oublie qu'il avait cherché Dieu avant de venir. Bien-aimé, comment veux-tu que tu aies du succès? Comment veux-tu que tu aies du succès? Si toi tu arrives, tu dis que bon, là c'est fini, je suis arrivé au bout. Ben, je te laisse. Maintenant, continue ton chemin. Fais ton chemin, ton parcours, je veux voir. Bien aimé, Israël a osé le faire. C'est pourquoi en Deutéronome, Dieu les rappelle. Comme vous traversez le Jordan, sachez-le. Vous partez dans la terre que j'ai promis à votre papa, Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour que vous ayez du succès et que vous puissiez vivre plus de longtemps dans cette terre, vous devrez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Servir l'Éternel. C'est ça le but. Bien aimé, Dieu t'a exprimé là où il y a la famine, il y a le malaria, il y a la typhoïde. Pour venir ici. Mais pas pour venir se faire gros don. Pas pour venir et rendre maintenant adorer les idoles. Et ici, c'est pas caché. J'avais raconté ça, je pense, hier. Dans ma boîte aux lettres de jour, je croyais que c'est un courrier. C'est un courrier de magicien qui propose déjà que je suis maître magicien. Je dis, mais moi, je suis magicien de magicien, magicien de magicien. Tu viens me proposer ton bout de faveur. Est-ce que tu sais d'où je viens? Tu ne connais même pas d'où je viens. Moi, je dis un mot que tu mets. Et tu viens me proposer qu'elle vienne. Moi, je prends mon téléphone, je t'appelle. Ah, maître! Moi, j'ai le maître de maître. Hein? Les gens ne demandent pas est-ce que je peux ou pas. Ils déposent seulement. Et les gens faibles qui ne connaissent pas, ils se sont déviés. Et il y a des gens même qui osent venir à l'église, mais après ils vont appeler le maître là. C'est pourquoi vous allez voir. Parce que la Bible dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni chaud ni froid. Comme tu es ni chaud ni froid, je te formulerai de ma bouche. Tu ne mérites pas, parce que tu viens à moi et tu vas encore adorer les idoles. Dieu n'est pas là. Tu demandes, tu supplies, tu dis, mais pourquoi ma situation ne se régularise pas? Ça ne peut pas te régulariser parce que toi, tu amènes même les chiens à quatre pattes. Mais si tu regardes, ils marchent seulement dans un chemin. Alléluia. Alléluia. Choisissons la vie de l'Éternel. Choisissons la vie. Toute la douleur n'est pas pour la mort. Et la douleur nous aide.
Malgré que tous nous sentons la douleur, mais nous pouvons transformer la douleur au succès. La douleur, c'est la seule possibilité de nous rendre félix, pasteur, félix, français, les gars. Heureux. Ah, un mot simple, mais ça fout. Amen. Donc, il y a des gens qui viennent à Dieu, il y a des gens même qui iront au ciel à cause de la douleur. Prête bien attention. Il y a des gens qui viennent à Dieu. S'il ne vient pas pour libre volonté, il vient par la force à cause de la douleur. Il faut apprendre dans la douleur. Il faut grandir dans la douleur. Tu traverses une situation qui te bascule la tête, tu fais l'analyse, tu peux dire, ah, je ne m'en sors pas. Entrez-y dans ton chambre, dans ta chambre plutôt. La Bible dit, ferme tes portes, tes fenêtres. Prie à ton Dieu qui répond au secret. Une fois au secret, il te répondra. Amen. N'ayez pas fatigué de demander des opinions à gauche, à droite. Ils vont te suggérer quelqu'un qui va t'enfoncer encore la vie. Tu vas mourir en vain. Non, cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez l'Éternel qu'il est prêt. Dis la parole. Bien-aimé, la souffrance n'est pas là, ce n'est pas pour nous tuer. Deuxième chose, la souffrance nous avertit. Si tu as la douleur, pour aller voir le médecin, ce n'est pas la douleur qui va te faire obligé d'aller voir le médecin. Ah, j'ai mal ici, là, il faut que je voie monsieur fou. Il va te demander pourquoi tu veux me voir. C'est parce que j'ai la douleur. Donc la douleur n'est pas là seulement pour nous enfoncer. Ce n'est pas les difficultés qui traversent, non. Ah, Dieu ne me veut pas. Là, c'est fini pour moi. Non! Apprends dans la douleur de grandir. Dieu veut voir une maturité en toi. Sarah a failli là-bas. Elle ne voulait pas grandir dans la douleur. Malgré l'âge, malgré le double ménopause. Et quand Dieu l'a confondu, c'est pourquoi maintenant elle vient prononcer ça. Dieu m'a fait un sujet de vie. Parce que maintenant tout le monde, quand il regardait Sarah avec sa grande ventre, oh, cette vieille, je vais le dire d'un autre français de là, 90 ans, donc 90 ans. Coco le bêta. Coco va tiquer. Ah! N'a qui m'a bangé. Là, les couches, là, là, comment finir à mettre des bimas, des sales. Ah! C'est ce qui vient de 90 ans, enceinte. Ah! Donc, quand elle passait tout le monde. Ah! Hein? Non, je ne crois pas. Peut-être elle a des problèmes. Hein? Comment l'autre maladie là qui survient dans de l'utérus? Ah, elle a des myomes. Non, je ne crois pas que c'est la grossesse. C'est la myome. Bon, elle va au kilo voir le médecin. Hein? Je suis venu voir le médecin parce que j'ai déjà 4 ans. 4 mois. 4 mois de quoi? De grossesse. Je vais avoir mon fils. Ah! Elle est folle. Il faut la transférer dans la clinique, polyclinique de quoi là? De psychiatrie là. Pour voir un médecin psychologue. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. 90 ans, elle dit que... Mais oui, déjà, elle a pris ses règles depuis 45 ans. Et puis, 80... Non. Tu vois, notre Dieu confond la science et la technologie. Les gens commencent à faire des mathématiques. Elle a quel âge? Bon, elle a 90 ans. Et son mari? C'est le vieux. Le vieux, bon, les Français aussi ne disent pas bien ces mots, hein. Mais non, dans notre langue, Kokouana. Hein? Les grands-pères là, les grands-pères, hein? Les grands-pères de qui? Ils n'avaient pas encore d'enfants. On ne peut pas dire que l'un des grands-pères de telle personne. Mais s'il avait déjà l'enfant, non, les grands-pères de tel, il n'avait jamais. Ce vieillard là, qui n'a jamais eu d'enfant, oui, c'est à peine qu'il a eu son fils Ismaël là. Ce vieux-là qui avait. Est-ce que c'est réellement, vous êtes sûr que le fils d'Agar là, c'est le fils d'Abraham, ce vieux-là. Mais cet Agar aussi, elle est folle. Comment elle va avoir enfant avec ce vieux-là? Fatigué déjà. Hein? Il y a des gens même qui ont parlé mal aussi d'Agar. Ils vont dire non, il a tout fait, c'est seulement pour rester avec la richesse du vieux. Il veut recevoir la place de Sarah. Maintenant, Sarah a son enfant. Hein? Parce que Dieu avait dit que
ce n'est pas Ismaël qui serait l'héritier. L'héritier doit sortir de Sarah. Bien-aimé, ton héritier doit sortir de toi-même. Cela dépend de ta maturité. Tu as l'héritier en toi. Tu penses que tu as perdu, tu n'as rien perdu. Je viens dire à quelqu'un qui n'a rien perdu. Rien perdu. Les gens disent, oh non, 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 non. Si telle personne a déjà reçu, oui, toujours pas. Oh, mais non, tu n'as rien perdu. Rien encore perdu. Mais apprends-toi de grandir dans la douleur. Parce que ce n'est pas toute la douleur qui tue. La douleur, l'enfoncement ne tue jamais. Ça te rend mature. Bien, mais il y a des choses que Dieu nous permet de passer parce qu'il veut nous voir si réellement nous l'aimons. Je croyais que quelqu'un a compris ça. Amen. C'est pas tout le temps le mer de rose, non. Dieu veut tester que réellement on vient de nous parler de la foi. Est-ce que nous avons la foi? Avons-nous crié? Pour que cela soit approuvé, il faut qu'il y ait un problème, une situation. Cette situation ne peut pas être quelle que soit la situation où les hommes peuvent résoudre. La situation que les hommes peuvent résoudre, c'est pas la foi. Si tu vas au médecin, ils vont te traiter, ils vont te prescrire. Tu vas au bloc opératoire, ils t'opèrent, c'est fini. Ben, ça, c'est rien. Mais la situation, c'est quand le médecin retire. Le médecin, il te fait l'opération, il retire l'utérus. C'est là où l'enfant habite. Là, voilà. Dieu aime cela. Pour dire qu'il est le créateur, c'est lui qui peut remplacer l'utérus que les médecins ont retiré. Parce qu'il est le créateur. Dieu aime les choses là. Tu es là. Ah, là, viens me voir. On va voir si Dieu existe ou il n'existe pas. Si Dieu avait seulement opéré à l'époque passée, à l'Ancien Testament, comme certains le disent, et il finit d'opérer à notre époque, il n'existe plus. Nous allons faire preuve. Amen. Amen. Comme chantait mon frère, j'aime beaucoup. Les dieux que je sais, je les connais. Celui que je chante, il est créateur. Les dieux que je sais, c'est le tout-puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Mais les gens ont perdu l'équilibre. C'est parce qu'ils traversent dans une vallée. C'est pourquoi David va dire, même si je traverse dans une vallée de sombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car mon rédempteur est vivant. Bien-aimé, attention, que les situations, tu vois, c'est pourquoi Dieu a fait preuve du monde. Pour confondre ceux qui se disent les plus forts, pour confondre ceux qui se disent que les pays développés, il nous a frappés tous avec le Covid. Bah! Confirmez que vous êtes les plus puissants. En plus, Dieu a fait quoi? L'OMS a estimé qu'en Afrique, il aurait avoir plus de morts. Parce que leur situation sanitaire est tellement médiocre. Dieu a confondu. Tout ce que l'homme dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Amen. 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 Dieu a confondu parce que quand Dieu parle 9, personne ne peut dire 6. Dieu a écrit 9. Ne les lis pas et ne les compte pas 6. C'est 9 qui est là. Non, si je les renverse, je peux compter 6. Non. Dieu a dit 9, c'est 9. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est comme ça. Bien-aimé, il est temps de nous révéler, de nous relever, réveiller nos consciences. Quelle est la douleur qui te tourmente? Quelle est la souffrance que tu traverses? Il te semble impossible. Bien-aimé, je viens te rassurer que tu n'as rien perdu encore. Il y a encore de l'espoir. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Je viens maintenant te rappeler la conscience. Le moment est là. Quitte à toi de choisir si tu choisis la vie ou tu vas choisir la mort. Mais je te rassure et je t'encouragerai d'embrasser la vie afin que tu vives. En plus longtemps, tu
cette terre que l'Éternel t'a accordée. Dieu t'a fait grâce, tu es là. Tu es en France. Oh, gloire à Dieu. Tu habites ta gloire. Gloire au Seigneur. Tu es à Paris. Sois loueuse, le Seigneur. Mais pour que tu bénéficies du lait et du miel de cette terre, je viens t'emporter cette parole d'apprendre de grandir dans la douleur. Quand tu apprendras de grandir dans une douleur, tu reconnaîtras que la douleur a une source. Cette source, c'est le péché. C'est quand l'homme a péché, c'est là où a commencé la douleur. Et moi, je viens, j'ai besoin de la paix. Et la paix, c'est notre Dieu qui l'accorde. En toutes les dimensions, là, tu vas chercher Dieu. Si tu ne te rappelles pas de cela, c'est difficile. Tu vas naviguer de tes forces. Tu vas chercher à naviguer de gauche à droite. Comme Pierre en fait, toute la nuit ils ont péché avec l'expérience de péché. Ils n'ont rien pris. Mais le matin, il y a un jeune qui l'apparaît et dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, nous arrangeons déjà nos filets parce que toute une nuit qu'on a perdu, on n'a rien attrapé. Bon, avance la barque et jette ton filet. Mais j'ai tout travaillé dans le mais à cause de ta parole, je lancerai le filet. Et la Bible dit, quand Pierre a lancé le filet, il y a eu le débordement. Débordement. Il a fallu demander l'aide de venir m'aider parce qu'il y a plus de poissons. Plus de poissons. Mais ce qui est important, malgré plus de poissons, les filets n'ont pas déchiré. Les poissons étaient toujours dans le filet. Venez m'aider, nous allons récupérer ensemble. Les gens peuvent dire que tu es longtemps ici, tu ne fous rien. La famille peut-être, il y en a des gens qui sont ici, les parents ont vendu des parcelles. Il compte sur toi, tu es là, tu as oublié que tu viens de loin. Bien-aimé, avant de récupérer cela, ayez cette conscience. Je te dis que le filet va déborder. C'est le moment de débordement du filet. C'est le moment que les choses doivent changer. Tu as tout navigué tout seul. Il y a le 10 fois accordé le temps à Dieu. Nous n'accordons pas le temps. Nous demandons, même à ton enfant à la maison, s'il commence à demander, il ne te code pas le temps de nous donner, c'est un euro qu'il demande. Comment tu vas faire? Tu vas t'irriter, il va t'énerver. Papa, j'ai besoin de 10 euros pour demain à l'école. Et là, quand tu demandes à maman 10 euros, il faut leur donner le temps. Maman, je t'ai demandé 10 euros. Maman, j'ai besoin de dire. Maman, j'ai besoin de dire. Oh, qu'est-ce que. Mais toi aussi, tu m'embêtes quand même. Dégage-toi. Or, elle n'aurait même pas te répondre comme ça. C'est parce que tu l'embêtes. Tu l'énerves. Ah, mais nous le faisons. Est-ce que. Il n'y a pas l'essence de ce que je dis. Mais dans humain, les parents, humain, nous les sentons. Vous croyez que Dieu ne sent pas cela? Mais cet enfant, il ne sait même pas le temps de lui donner. C'est parce qu'il demande l'enfant, il veut déjà l'enfant. Il demande le boulot, tu veux du boulot. Il demande le papier, tu veux du papier. Directement les papiers. Oh, tu demandes les bagues, tu veux déjà. Mais donne-moi le temps. Toi, tu as besoin des bagues, mais donne-moi le temps. Je vais ouvrir ta conscience, ouvrir ta mémoire. Toi-même, tu vas comprendre. Tu fais les révisions de matière, ça entre. Tu dis, tu commences à comprendre. Et tu vas à l'examen, tu le bats. C'est comme ça. Il faut céder le temps. Amen, amen. 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 Il est merveilleux, le Seigneur. Le Dieu que je sers, je le connais bien. Bien-aimé, cessons de nous tourmenter. Cessons de naviguer tout seul. Laissons la commande à notre Dieu. Sinon, nous allons voir que Dieu n'existe pas, ou Dieu il est limité, ou Dieu il y a. Non! Laisse le temps à Dieu agir. La Bible dit, là où on a lu, Sarah a eu l'enfant au temps opportun annoncé par Dieu. Hein? Dieu avait annoncé un temps et Sarah a eu son enfant. Mais c'est dans le temps de Dieu. Nous ne pouvons rien avoir hors le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Amen. C'est une maladie qui fait que la personne ne sent plus la douleur. Vous le savez, c'est la lèpre. Quand la personne a la lèpre, si la lèpre atteint cette main, elle ne sent plus rien parce que la lèpre
C'est une maladie qui détruit toutes les sensaires du corps. Tout détruit. Tu peux prendre sa main, tu coupes le doigt ici. Quelqu'un qui a la lèpre, il ne va pas sentir, tu coupes tout. Tu n'as pas besoin d'anesthésie. Et la lèpre, c'est quoi? Mais c'est le péché. Quand la personne est contaminée dans le péché, il ne va pas sentir que non, il a du mal. Il passe et il vous dit, ah, mais vraiment, il travaille, mais déjà, il est embauché. J'ai ce témoignage qui fait mal. Il est embauché, mais on l'a même expulsé de la maison. Quelqu'un qui a un CDI, tu n'arrives pas à payer les loyers. On t'enlève dans le temps, on te dégage de la maison. Tu as le CDI, tu travailles, mais où tu mets l'argent? C'est bon. Parce que quand le péché est là, la personne ne sent plus rien. Bien aimé. Le péché, c'est ce qui nous prive de contempler la gloire de Dieu. Mais ce qui fait, c'est le diable qui le fait. Vous verrez le Dieu de ce siècle. De Corinthiens, le chapitre 4, parle que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement afin que nous ne puissions pas comprendre la gloire de Dieu. C'est lui qui nous prive de la gloire de Dieu. Il nous sait. Donc, il nous distrait. Il fait que, ah, toi, tu perds ton temps pour rien. Tu es venu, on est venu ici pour chercher. Donc, les gens incluent dans leur tête qu'on est venu pour chercher. Et tu as commencé, depuis que tu es là, tu cherches et tu ne trouves même pas. Tu vas continuer à chercher jusqu'à quand? Je vais dire qu'on loupe. Amen. 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 Comme tu es venu chercher, cherche avec Dieu. Si tu oses de chercher tout seul, tu n'auras rien. Amen. Il faut chercher avec Dieu. Mets Dieu en première place. Place Dieu en première place. Tu verras. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Éternel. Parce que sans la foi, il aurait été impossible. Il aurait été impossible. Abraham n'aurait pas à voir ses enfants si ce n'était pas la foi. Et j'aimerais terminer pour dire, en accord à la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ, Hébreux parle de la foi. Si ce n'était pas la foi, ça aurait été impossible. Mais les gens terminent pour nous dire, il nous dit ceci, Jésus-Christ quand il priait, dit, je prie pas seulement à ce qui est ici, mais aussi à ceux qui croiront. Et il priait pour qui? Pour nous, vous et moi. Nous n'étions pas là. Mais Christ a déjà prié pour notre succès. Alléluia. Jésus a déjà prié pour nous. Afin que quand nous croirons, nous vivons de succès en succès, de gloire en gloire. Amen. Amen. Et le proverbe nous en a conseillé, mais moi, ça me fait mal. Étant être humain, créé à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. La Bible nous conseille d'aller consulter les fourmis pour nous enseigner la sagesse. Alléluia. Ah non, pas jusque-là. Moi, je ne vais pas aller aux fourmis. Mais comme toi, tu n'as pas de sagesse, à qui sache que non, moi, j'aimerais apprendre la sagesse, va prendre chez les fourmis. Proverbe, le chapitre 6, verset 6. Dis-le-toi, insensé que tu es, va vers la fourmi, va apprendre. Ils n'ont ni chef, ni inspecteur, ni inciteur, mais ils ne peuvent pas. Nous avons quatre saisons aussi. Nous devons apprendre de préparer chaque saison. Alléluia. Nous devons apprendre de préparer chaque étape de nos vies. Toi qui as des enfants, apprenez déjà de préparer le futur de tes enfants. Ne mangez pas comme un fou. Le peu que tu reçois, garde-les pour l'université de tes enfants. Bien aimé, ça ce sont des trucs que, il y a des fois, l'université, il ne touche pas. À l'église, nous touchons dans tous les domaines. Ne mangez pas que tu vas finir déjà aujourd'hui, mais demain, quand l'enfant va grandir, il sera à l'université. L'université en France, c'est cher. Là, on ne paye pas. Mais quand ils voudront aller à l'université. Maintenant, ah non, il faut qu'il aille dans une ville gaine parce qu'il veut faire la médecine. Ici, il n'y a pas. Dans une ville gaine, il faut louer la maison, il faut payer ici. Tu commences à voir. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plusieurs enfants. Il finit le bac, il va prendre les travaux là. Je ne sais pas quoi là, préparateur des commandes.
il va souffrir comme nous autres. Mais non, bien aimé, apprenons. Si tu lis Proverbe, là, ça fait honte. La fourmi, il sait que non, bientôt c'est la pluie. Je dois préparer parce que moi, je ne pèse pas. Avant que je coule avec l'eau de la pluie, je vais déjà préparer. Ils creusent leur maison, petit retour là. Ils creusent et ils vont ramener toute l'alimentation qu'ils vont manger aux saisons de la pluie. Il faut armazener tout. Ils gardent, ils vont stocker tout. Et quand il y a de la pluie, tu ne verras jamais les fourmis à sillonner dehors. Jamais. Ils sont là cachés. Ils se cachent. Bien aimé, nous devons retenir ce qu'on nous dit. Parce que quand on vient de preuve, nous savons qu'il y a une preuve. Mais on m'avait prêché que devant les frères, je dois confier à mon Dieu. Seigneur, viens me secourir. J'ai que toi. Bien aimé, ce qui nous manque, c'est la méditation de la parole de Dieu. Les jours de partage, nous ne venons pas. C'est pourquoi quand les plaies s'élèvent, on n'a rien dans nos armazins. On n'a rien stocké. On est paniqué. On voit que c'est fini, le monde devient petit. Or, si on gardait déjà les stocks dans nos cœurs, parce que la Bible, on n'apporte pas ça. Ça, c'est tout lui. Quelqu'un peut déchirer. Mais il ne déchire pas ce qui est dans ma tête. Alléluia. Ce qui est dans mon cœur. Amen. Amen, amen. Ça, tu peux le prendre, tu me reçois ça, tu me reçois ça. Mais ce que j'ai déjà dans mon cœur, tu ne vas pas ouvrir mon cœur de retirer cela. Je veux déjà crier en Christ. Et Christ vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, je suis plus qu'un vainqueur. Car c'est lui qui m'a aimé. La parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu vienne au secours de son peuple. N'hésitez pas. Si tu traverses des moments compliqués, sache-le que tu n'as rien perdu encore. Tu n'es